السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها التلاميذ الأعزاء المستوى الأولى بكالوريا، معكم يوسف دلال من خلال الشاشة المتميزة جوكومينيك تي في، وكذلك الخدمة التي نقدمها لكم سوكسي باك أن لفهم روايات اللغة الفرنسية، لفهم الروايات دي الأولى بكالوريا باللغة الفرنسية كذلك. لا بواتا مغفاي أحمد صفراوي. في هذه الحصة سوف نتطرق إلى شابيتر 10، هناك تقريبا 20 سؤال 20 كيستيون يجب الإجابة عليها. أنتم لاحظتوا تقريبا 20 سؤال يجب الإجابة عليها باش نفهموا هذا الشابيتر 10. وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، نتمنى لكم رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير. لأن هناك فئتين، الفئة الأولى هي منصة التفاعل، هي سوف نتطرق إليها بعد قليل، كذلك هنا سياق بي دي اف. إذن تقريبا هناك 20 سؤال للفهم الجيد لرواية أحمد الصفراوي لا بواتا ميرفاي، اللي تصدرت في 1954، كتبت في 1952 وصدرت في 1954، من بين الروايات ديال أحمد الصفراوي. C'est un roman autobiographique. إذن سوف نتطرق إلى المنصة التفاعلية، هي La boîte à merveilles d'Ahmed Soury, chapitre 10. On a test de compréhension, à peu près 20 questions. Alors, total, c'est à peu près 15 minutes. On a un peu de 15 minutes. L'IGB est à 20 questions. La boîte à merveilles d'Ahmed Soury, chapitre 10, test de compréhension. On a des morages à chapitre 10 à la chèque là. Ou jouer. Alors, cochez la bonne réponse. Dans quel quartier se trouvait la maison de Sidi Larrafi? Sidi Larrafi, tarafna alif nihay dial chapitre 9. Idan fin huwa mawjoud, ina hay mawjoud. Men khilal riwaya dial la bata merveil. Alors, Safah, Sara, Qalqin ou la Sif. C'est Safah. الموجود هو في الحي ديال الصفاح. Quel mot peut résumer la description faite par le narrateur de l'espace où se trouve la maison de Sidi Larrafi? Dans la maison, الدار اللي موجود فيها ديك العرافي. الحي اللي موجود فيه والمكان اللي موجود فيه. كيفاش هو داير؟ Espace engageant, espace attrayant, espace répugnant, espace splendide. من خلال الروايات، من خلال الرواية وكذلك الوصف ديال هذاك سيدي محمد، إسباس غي بينيوم، ديزاغريابل. أكوا لو ناغاتور كومباراتيل لو باني دو سيدي عرافي؟ إذن لو ناغاتور سيدي أحمد، كيفاش قارن هذاك لو باني ديال سيدي عرافي؟ واش على ساكوش de son père, au sac de toile confectionné par sa mère, à sa boîte à merveilles, au panier à provision d'apporter Driss le ténu, à sa boîte à merveilles. Par quel mot Sidi Larrafi résumait-elle le contenu de son panier? Le panier de Sidi Larrafi, qui fait chose à vous? Par quel mot? شنو هو الكلمات اللي وصف بها؟ Par quel mot Sidi Larrafi résume-t-elle le contenu de son panier? Fétiche hiérolique, coquillage et talisman, coquillage et amulette, sphère et gris-gris. Then هي مليئة بالكوكياج et amulette. Que demanda Sidi Larrafi à l'enfant en présentant son panier? Il donne juste le menu.
Que demanda Sidel Arafé à l'enfant en présentant son panier? De saisir un objet sans le voir, de choisir l'objet qu'il voulait emporter, de mettre son mouchoir dans le panier, ou de toucher le panier sans parler. Sidel Arafé, je t'amène l'enfant en présentant son panier. De saisir un objet sans le voir, de choisir l'objet qu'il voulait emporter, au lieu de mettre son mouchoir dans le panier, ou de toucher le panier sans parler. Il dit au Sahewa de saisir un objet sans le voir. Alors, 6. Quel objet? Mawashi. Sidi Mohamed fait-il sortir du panier? Une pierre noire, un anneau de cuivre, une minuscule coquillage ou une boule de verre. Une boule de verre. Quelle figure de style pouvez-vous identifier dans les lancers suivants? Il mentionne m'étrangler, mes yeux se remplirent de larmes, je nageais dans la pure félicité. Le figure de style ici. Est-ce que c'est un effort, gradation, une métaphore une méta ou la, une méta la métonymie? L'émotion m'étranglait. Première chose. Mes yeux se remplirent de larmes. Deuxième chose. Et je nageais dans la pure félicité. Troisième chose. Alors, c'est une sorte de 1, 2, 3. C'est une sorte de gradation. Quel conseil prodigua Sidi Al-Arafi à l'enfant? De ne pas se préoccuper des autres, de ne plus être solitaire, d'écouter les conseils des adultes, de regarder au-dedans de soi. De regarder au-dedans de soi. Quel objet l'Aïcha retira-t-elle du panier de voyage? Une perle noire, une boule de verre, un anneau de cuivre, un minuscule coquillage. Cette phrase m'a un minuscule coquillage. Quelle prédiction annonça le voyant à l'Aïcha? Elle aura de nouveaux bijoux? Le nid sera de nouveau reconstruit. Elle aura bientôt un enfant. Elle résidera dans une nouvelle maison. La bonne réponse, c'est C. Non, c'est B. Le nid sera de nouveau reconstruit. Quel objet les Zubida? Troisième maintenant. Quel objet les Zubida retira-t-elle du panier du voyant? Une pierre noire, une boule de verre, un anneau de cuivre, une minuscule de coquillage. Bien sûr, c'est une perle noire. Quel conseil donna Sidi Al-Arafi à l'Al-Zubida cette fois? Je n'ai pas à Sidi Al-Arafi d'offrir de l'argent aux pauvres, de visiter les sanctuaires de saints de la ville, d'organiser une sadaqa, de faire le sacrifice de deux corps noirs, de deux coqs noirs. Non, d'organiser une sadaqa, non. Non. De visiter les sanctuaires de saints de ville. De visiter les sanctuaires de saints de la ville. Et pourquoi Sidi Mohamed s'était-il caché dans les plis du haïk de sa mère? Elle chrétienne, le chrouj de l'homme, Sidi Arafi, elle chrétienne, le haïk de sa mère. Et il avait peur du frère qui passait dans la rue. Il avait peur du chien, il avait peur d'un mendiant, il avait peur de courtier. Il avait peur du frère qui passait dans la rue. Quel mensonge les Zubida est-elle prête à dire au maître de l'école coranique? Quel mensonge? Quel mensonge les Zubida est-elle prête à dire au maître de l'école coranique? Elle avait emmené son fils voir son père, voir un médecin, rendre visite à un parent très malade pour une course, pour une course. Il avait emmené son fils voir un médecin.
للداس بأنه كان طبيب. Pourquoi la Zubida ne raconta-t-elle pas aux voisines sa visite à Sidi Al-Arafi? Pourquoi la Zubida ne raconta-t-elle pas aux voisines sa visite à Sidi Al-Arafi? Elle est chimtelette, la Zubida. Al-Qaoul. Jara Sidi Al-Arafi. Pourquoi la Zubida ne raconta-t-elle pas aux voisines sa visite à Sidi Al-Arafi? Alors, pour éviter les moqueries des voisines, Sidi Al-Arafi lui avait conseillé une totale discrétion pour ne pas froisser la Chouafa et pour ne pas divulguer ses secrets, pour faire plaisir à son fils qu'il avait supplié de ne rien dire aux voisines. Pourquoi la Zubida ne raconte-t-elle pas aux voisines sa visite de Sidi Al-Arafi? Pour ne pas froisser la Chouafa et pour ne pas divulguer ses secrets. C'est ça la bonne réponse. 16. Quelle résolution concernant Sidi Mohamed prit Quelle résolution prit l'élève Zubida le lendemain de la visite de Sidi Al-Arafi concernant Sidi Mohamed? D'emmener son fils chez un médecin, de garder l'enfant à la maison durant le mois d'absence de son père, d'envoyer l'enfant à l'école pour obtenir les malheurs, d'envoyer l'enfant travailler dans l'atelier de Moulay Larbi. La bonne réponse est ça. De garder l'enfant à la maison durant le mois d'absence. Quelles sont les raisons invoquées par Zubida pour ne pas envoyer son fils à l'école? Quelles sont les raisons invoquées par Zubida pour ne pas envoyer son fils à l'école? Elle serait seule à la santé de son fils, laissant beaucoup à désirer. Elle se sentait seule et la santé de son fils laissait beaucoup à désirer. Il voulait éviter à son fils les coups de baguette de son maître. Elle pensait que la chaleur de Simsid nuit à la santé de son fils et il avait besoin de son fils pour faire les courses. Bon, la bonne réponse, c'est A. Elle se sentait seule et la santé de son fils laissait beaucoup à désirer. Alors maintenant, la réponse 18. Que décida Laila Zubida de faire avec son fils chaque semaine? Que décida Laila Zubida de faire avec son fils chaque semaine? Aller au Bamor, rendre visite à l'Aïcha, organiser un repas pour les mendiants ou visiter les divers sanctuaires de la ville? La bonne réponse est D. Visiter les divers sanctuaires de la ville. 19. Quel sens? Quel sens avaient les jours pour Sidman? Chaque jour possédait une couleur. Chaque jour possédait le nom d'un prince ou d'un sorcier. Le jour ressemblait aux nuits sans cauchemar. Chaque jour avait son objet dans la boîte à merveilles. Quelle est donc la bonne réponse? Quel sens avaient les jours pour Sidi Mohamed? Alors je préfère ici A. Chaque jour possédait une couleur. 20 maintenant. Alors qu'est-ce que le messager de Ma'allem Abslam avait apporté de sa part à la Zubida? Qu'est-ce que le messager de Ma'allem Abslam avait apporté à sa part à la Zubida? Le messager de Ma'allem Abslam. غادر البيت تقريبا شي شهر. إذن ولكن بعت واحد المرسل إلى هذاك العائلة ديال لالا زبيدة، الأسرة ديال لالا زبيدة، وجمع بيان سور دي بروفيزيون، إذن دو لافيون دي ليغيم دو لوي دو لارجون
Wesh, des œufs, du beurre, de l'huile, de l'argent. Ou là, de la farine, ou là, du blé, de l'orge. De la viande, non, des œufs. Des œufs, du beurre, de l'huile et de l'argent. Voilà, c'est fini. À peu près 2 minutes et 10 secondes. Et le test très bien fait. الأقل جوج دقائق وعشر دقائق على الانتهاء الحصة 2 مينوت اي 10 سكوند فوتر سكور اوبتوني اي 96% ريبون جوست او بروميي سي سي 19 سور 20 vous avez complété l'exercice affiché toutes les réponses toutes les questions اذا بالنسبة للسؤال الاول dans quel quartier se trouvait la maison سيد العرافي ديال البداية ديال الشابتر 10 تطرق لهاد لا ميزون ديال سيدي العرافي هو موجود في الكارتي صفاح ومن بعد تطرقنا للسؤال الثاني كاين مو بو ريزومي لا ديسكريبسيون فيت بار لو ناراتور دي ليسباس و تروف لا ميزون ديال سيدي العرافي اذا شنو هو الكلمه اللي تتوصف المكان اللي موجود فيه لا ميزون ديال سيدي العرافي اسباس ريبينيون معناها ديزاغريابل معناها قبيح ماشي اتخايون جداب اكو لو ناراتور كومباراتيل اكو لو ناراتور كومباراتيل لو باني دو سيدي العرافي اذا لو ناراتور سيدي محمد كيفاش اقارن هذوك لو باني دو سيدي العرافي بيان سور ا سابوت ميرفي اذا نقارنها ب سابوت ميرفي دون بار كيل مو Par quel mot Sid El Arafi résumait-elle le contenu de son panier? Coquillage et allumette. Et amulette, pardon. Amulette. Que demande Sid El Arafi? Que demanda Sid El Arafi à l'enfant en présentant son panier? De saisir un objet sans le voir. يمسك واحد الشيء بدون رؤيته كل اوبجي سيدي محمد فيتي سورتير دو باني اون بول دو فير اون بول دو فير كل فيغور دو ستيل بو فيفو ايدنتيفي دون لينونسي سويفون ليموسيون ميترانغلي mes yeux se remplir de larmes je nageais dans la pure félicité c'est ce sort de gradation Quel conseil prodigue c'est de la faire à l'enfant de regarder en dedans de soi. Je chauffe derrière. Quel objet la Aïcha retira-t-elle du panier du voyant? Un minuscule coquillage. Et quelle prédiction annonce le voyant à la Aïcha? Quelle prédiction? Le nid sera de nouveau reconstruit. Quel objet la Zobida retira-t-elle du panier du voyant? La perle noire, le A, Saoudé. Quel conseil donner cette arafe à la Zobida? C'est pas d'organiser une sadaqa, mais de visiter les sanctuaires des saints de la ville. Et pourquoi c'est de Mohammed s'était-il caché dans les plis du haïk de sa mère? Il avait peur des frais, tel qu'il voit Morab Mtarf frais. Il avait peur des frais qui passaient dans la rue. Quel mensonge, mais il est dit. Quel mensonge la Zubida est-elle prête à dire au maître de l'école coranique? Il est dit. La Zubida est-elle prête à dire au maître de l'école coranique? Il avait emmené son fils voir un médecin. Et pourquoi la Zubida ne raconta-t-elle pas aux voisines sa visite de Sidi Arafi? Pourquoi? Imed. Pour ne pas froisser la choufa. Idan hiya ma bghatch tahki l-jarat sir. Pour ne pas froisser la choufa et pour ne pas divulguer. Ma bghatch tkchef l-sir. Pour ne pas divulguer ses secrets familiaux. Quelle résolution concernant ces défis? Sid Mohamed prie la famille, la Zubida,
le lendemain de la visite de Salah. De garder l'enfant à la maison durant le mois d'absence de son père. Et quelles sont les raisons invoquées par Zubida pour ne pas envoyer son fils à l'école? Elle se sentait seule et la santé de son fils laissait beaucoup à désirer. Il vient de s'asseoir lui-même. Voilà des colmas, voilà dire. Que décide la Zubida de faire avec son fils chaque semaine? Visiter les divers sanctuaires de la ville. Et quel sens avaient les jours pour Sidi Mohamed? Chaque jour possédait une couleur. Et qu'est-ce que le messager de Mohamed Slam avait apporté de sa part à la Zubida? Des œufs, du beurre, de l'huile et de l'argent. On passe maintenant sur PDF. Restez toujours connectés, s'il vous plaît. Nous sommes toujours en direct avec vous sur notre chaîne GeoComics TV pour le service des élèves de premier bac, service bac 1. Alors ici, vous avez test de compréhension, la boîte à merveilles, 10, 20 questions. Alors, première question, en quoi le narrateur compare-t-il le panier de Sidi? Alors, le narrateur, comment s'appelle-t-il? Oui, c'est Mohamed. Alors, il compare son panier, il compare le panier de Sidi Larafé par sa boîte à merveilles. À sa boîte à merveilles. Alors pourquoi Sidi Mohamed s'était-il caché dans les plis de haie de sa mère en sortant de Sidi Al-Araf, en sortant de la maison de Sidi Al-Araf? Elle avait peur des frères qui passaient dans la rue. Et quelle prédiction annonça le voyant Sidi Al-Araf et Al-Aïcha? Que le nid, ça veut dire sa petite famille, sera de nouveau reconstruit. Et quel objet de Mohamed fit-il sortir du panier de Sidi Larafi? Une boule de verre. Et quel mot peut résumer la description faite par le narrateur de l'espace où se trouve la maison de Sidi Larafi? Où se trouve la maison de Sidi Larafi? Sfah, car c'est Sfah. C'est un espace répugnant. Quel objet l'Aïcha retira-t-elle? Retira-t-elle du panier du voile? C'est dans la vie toujours. Un minuscule coquillage. Et quelle figure de style pouvez-vous identifier dans l'énoncé suivant? Il y a une métonymie, un fort gradation, une métaphore. Alors, l'émotion m'étranglait. Mes yeux se remplirent de larmes. Je nageais dans la pure félicité. C'est une sorte de gradation. Et que demanda Sidi Larafi à l'enfant en présentant le panier? De saisir un objet sans le voir. Quel objet Sidi Mohamed fit-il sortir du panier? C'est une boule de verre. Quelles sont les raisons invoquées par Zubida pour ne pas envoyer son fils à l'école? Elle se sentait seule. La Zubida, elle se sentait seule. Et la santé de son fils laissait beaucoup à désirer. Par quel mot Sidi Larafi résumait-elle le contenu de son panier? Il y a ce qu'on appelle coquillage et amulette. Et pourquoi la Zubida ne raconta-t-elle pas aux voisines sa visite à Sidi Larafi? Pour ne pas froisser les chevaux et pour ne pas divulguer ses secrets, pour ne pas dévoiler ses secrets. Dans quel quartier se trouvait la maison de Sidi Larafi? Le quartier Sfah. Et quel conseil donna Sidi Larafi à l'Elzubida? De visiter les sanctuaires de la ville, les sanctuaires des saints de la ville. Quel sens avaient les jours pour Sidi Mohamed? Chaque jour possédait une couleur. Et quel conseil prodiguait Sidi Larafi à l'enfant? D'écouter les conseils des adultes? Non. De regarder en dedans de soi. Et qu'est-ce que le messager de Mohamed avait apporté de sa part à la Zubida?
Des œufs, du beurre, de l'huile et de l'argent. Quel objet Sidi Mohammed fit-il sortir du panier? C'est une boule de verre. Quelles sont les raisons invoquées par Zubida pour ne pas envoyer son fils? Il se sentait seul. Et par quel mot Sidi Al-Araf a résumé le contenu de son pote? Coquille, une amulette. Et pourquoi elle est la Zubida? Ne raconta-t-elle pas aux voisines sa visite à Sidi Al-Araf pour ne pas divulguer ses secrets? Et dans quel quartier se trouvait la maison de Sidi Al-Araf? C'est le quartier Sfah. Et quel conseil donna Al-Araf à la Zubida de visiter les sanctuaires de visiter les sanctuaires des saints de la ville? Et quel sens avait le jour pour Sidi Mohammed? Chaque jour possédait une couleur. Et quel conseil prodigua Sidi Al-Araf à l'enfant de regarder en dedans de soi? Et qu'est-ce que le messager de Mohammed avait apporté de sa part à la Zubida? Des œufs, du beurre, de l'huile et de l'argent. Et pourquoi la Zubida ne raconte-t-elle pas aux voisines sa visite à Sidi Al-Araf pour ne pas froisser la Choufa et pour ne pas divulguer ses secrets? Et que décida la Zubida de faire avec son fils chaque semaine? Bien sûr, visiter les divers sanctuaires de la ville. Et quelle résolution concernant Sidi Mohammed prit la Zubida le lendemain de la visite de Sidi Al-Araf? De garder l'enfant à la maison durant tout le mois de son père. Et qu'est-ce que le messager de Mohammed avait apporté de sa part à la Zubida? Des œufs, du beurre, de l'huile et de l'argent. Et quel mensonge! La Zubida était-elle prête à dire au maître de l'école coranique? Elle avait emmené son fils voir un médecin. Et quel objet la Zubida retira-t-elle du panier du voyant? Une perle noire. C'est donc c'est fini. On a déjà revisité trois fois les questions et les réponses du chapitre 10 de la boîte à merveilles d'Ahmad Sfraoui. Alors rendez-vous donc pour la prochaine vidéo pour chapitre 11. Il reste uniquement deux chapitres, 11 et 12. C'était avec vous, Monsieur Youssef Dalal, de la chaîne Je Communique TV, pour apprendre et comprendre. Et avec succès bac 1, pour mieux réviser et comprendre vite fait les romans du premier bac. Et pour passer le régional avec toute félicité, avec toute facilité. Bon courage et bonne chance pour tout le monde. Allez-y, à la prochaine vidéo.